Devenez agent de maintenance HF des futures lignes de train RER. Futur train des lignes DRR. Ah oui, la ligne RER. Putain, il y a des régions de Zen. Vas-y. Donc j'ai de la chance, donc c'est bien sûr. Voici un Créteil. Stéphane. Attends, laisse-moi. Okay. Non mais de toute façon c'est pas grave, de toute façon du moment que tu vas démarrer. Bon, bah, attends, ah, en plus, t'entends la petite mélodie, tu l'as entendu? Bon, je sais pas, c'est la mélodie de la merde. Bon, là, t'as un afficheur sprint. Voilà. Bon, il descend au moins 3. C'est pas grave. Au moins 3, c'est celui qui va au RER A. Ok, donc là, t'as un peu sur le niveau de ça a été programmé exprès. Donc là, c'est du vrai insensé. Et en plus, regarde, t'as même la date 9 juillet 2019, 14h25. En fait, de base, ça c'est aussi utilisé comme c'est afficheur papier et cabine, c'est les mêmes afficheurs. Que chez qui? Enfin, en gros, t'as l'afficheur cabine, c'est le même que l'afficheur palier. Ouais, voilà. Tu vois, cet afficheur cabine, tu as exactement le même modèle d'afficheur en cabine. Tu vois, c'est pas c'est le même modèle prend, lui. Ouais, c'est bon, il nous prend. Ouais, 1000 kg, 13 personnes, c'est du sprint. Est-ce qu'ils vont tous descendre? Ouais, c'est. La marque de cet ascenseur, c'est Spring. Merci. Mais par contre, je comprends pas pourquoi c'est pas des boutons Spring alors. Enfin, bref, ouais, c'est boutons Tissène un peu. C'est boutons Tissène. Non, c'est pas des boutons Tissène, c'est des boutons Schaeffer. Schaeffer. Ouais, Tissène, c'est. Niveau 7 d'échange. Correspondance. Vente et information. Souvent, ils mettent pas leurs boutons. Accès, gare SNCF. Ah, pardon. Là, t'as le bon sonore, c'est typique sur les manœuvres. TC moins 4 ? Voilà, c'est bon. Genre. Parce qu'en fait, c'est erreur A. C'est moins 4, oui, erreur A. Ah bah, c'est bon alors. Oui, merci. Bon, là, t'as un afficheur sprint haut de gamme. Ok. Ouais. On dégage, je vais regarder. Voilà, bon, c'est. Niveau K. Sprint, c'est pas cher, mais là, ils ont fait une prestation haut de gamme. C'est-à-dire qu'ils ont mis un afficheur haut de gamme. C'est bon. Allez-y, non, c'est bon. On reste. Merci. Vas-y, on retourne moins 2. On retourne moins 2 et on stagne. Voilà, et on stagne. Hop. C'est bon. Ah, ouais, ok. Bon, du coup, ça, c'est. Mais on voit qu'il y a la plate d'origine. Ils ont juste changé les boîtes à boutons et peut-être la manœuvre. Ouais. Ça va. Là, c'est quoi ça? C'est une caméra là? Caméra de surveillance, ouais. Ah, ok, parce que des fois ça peut. Niveau K. RERD, direction nord. Du coup, t'as qu'un seul ascenseur sur ce côté. Non, il y en a un autre de l'autre côté aussi. Ah, c'est du sprint, on va pas le voir. Non, c'est du sprint, franchement. Ouais, c'est donc c'est un peu la même chose si tu veux. Là, t'as un contact à clé, je crois que c'est un contact à clé Kaba. Clé comment? Kaba. Kaba, connais pas. Niveau 7 d'échange. Correspondance. Vente. T'as vu l'ancien afficheur ici. Sortie. Ouais, accès, garde SNCF. Faut prendre celui de gauche parce qu'il arrive en premier. C'est des afficheurs Pega. Oh là là. Ah, ça sent le kit autonome là-dessus. Voilà, c'est bon. Ouais, alors déjà,
C'est installé par Slim, ça ce sont des boutons de jouets. CNDM et Hitech, 612-04. Ah, c'est 2004 alors. Non, ça n'a rien à voir. Et là, tu vois, là, t'as l'afficheur Vegas, c'est un afficheur en kit autonome. Donc, t'as pas besoin de remplacer la manœuvre et tout. Ah, bah, c'est mortel alors. Et en fait, tu mets juste l'afficheur en fait, qui est tout neuf. Ah merde, putain, ah, c'est ça, la tête, tu mets. Oh l'enculé. C'est pas grave. Le bâtard. T'avais plus de. Bon, vas-y, viens, on attend ici. Bon, là, t'as un ascenseur, l'affichage en kit autonome. En fait, là, il te change pas. Je vais déplacer les. Ah, il est au-dessus, ouais. Ok, top chrono. Allez. Donc là voilà, t'en as deux, 16 personnes, 1200 kilos. C'est très bien. 1200 kilos. Ouais, bah, je pensais que c'était du 600 et tout. Là, normalement t'en as un autre par là, je crois. Ah, tu testes l'autre aussi? Eh ben non, faut. À moins que je sais comment il faut faire. Faut l'envoyer, mais c'est bon là. Ouais, faut l'envoyer, c'est mort. Ouais, deuxième. Hugo. Celui-là, le bouton, il est plus récent, il a été remplacé. Alors, 2011! 2011, et là tu vois ici, t'as des 5500, ce qui me surprend quand même dans un endroit comme ça avec la signalisation en vert. Ah bah on fera le 5500 après. Ah bah ça. Là t'as la mezzanine ici. On a pas d'autre là, il y avait ici là. Ah mais non, quoique si je me rappelle bien, j'avais bien vu deux ascenseurs. Ah oui, j'étais déjà venu ici, je contemplais les monospaces ici. Ah y'a un Wigwam en 2015. Putain de merde. Allez, on va voir les. Ah, il y en a un autre là. Où ça? Là, juste devant. Chiant, mais. Ah, ouais, est-ce que c'est. Attends. Non, c'est un Thyssen. Est-ce qu'il est au public? Intervention. Ah merde, 10 juillet, putain. Intervention, c'est mort. Non, allez, go. T'as 5 ascenseurs. Laquelle est. Attends. Lequel est ouvert? Ah, c'est celui-là qui s'est ouvert! Ah, t'as jusqu'au moins 6 carrément! Bah, centre commercial Prado, t'as jusqu'à moins 7. Non, on est sorti gardé. Oh là là, avec les afficheurs LCD et tout, ça c'est encore plus haut de gamme. Oh mon dieu! 1600 kilos, 2015! Ouais, 2015. Alors là, t'as. Moins 1, moins 2, oh là là! Moins 3. Ah, parking. Deuxième parking. Troisième parking. Moins 4 après. Ouais. 6. Après, on va tester un autre. Voilà. Ah non, faut attendre qu'il parte. Faut attendre qu'il parte. Ah oui, c'est vrai, attends. Bon, on va laisser tomber ce quad triplex. On va aller voir celui-là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est ouvert? Attends, on peut occuper. Vas-y. Direction rez-de-chaussée? Oui, rez-de-chaussée. En fait, on se taille. Parking. Là, ah tiens, il est un peu usé là, de ce côté. Oui, un peu usé, mais bon, c'est pas grave. Du moment qu'elle marche, c'est déjà l'essentiel. Oh, putain, jamais ça arrêtait au moins 4. Sa mère. On l'avait envoyé. Ah putain. Ah, mais c'est parce qu'on l'avait envoyé et tout. Bon, vas-y, maintenant, on va se tailler. Donc 5500. Ouais, 5500. Étage 0. Il est coupé. Ouverture. Ah, c'est la voie façon connée. Non, c'est la voie Schindler. La voie Schindler. Ouais, donc elle est là, le connaît. Connaît Monospace. Afficheur. Cet afficheur, ça peut être soit. En fait, c'est les mêmes cartes. Ça peut être soit vertical. En fait, ça se programme en fait pour être vertical. T'as la chance qu'elle est en service. Bah, souvent, ça fait pour être en service. Une. Ah, il a 4 niveaux.
Non, plus. 1, 2, 3, 4. Ouais, moins 2, Virtue. Alors, t'as mon space. Ah, il est trop stylé. 2016. 2016 en plus, trop stylé. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Rez-de-chaussée. Ouais, c'est quand même joli. Moins 1 et moins 2. Donc, c'est du monde space, il fait 4 niveaux seulement. Qu'est-ce que okay. ça donne quoi? Ah, pas mal. Ok. Alors, on reboot. Là, tu vois, t'as le contact technique pour l'appel prioritaire. Alors, j'ai pas le truc comme ça. Je vais pas mes SH, je les ai oubliés chez moi. On serait tombé sur un jet tout, on serait fait d'appel prioritaire, mais je les ai pas sur moi. Mais de toute façon, c'est impossible. Là, tu vois, ça s'affiche toujours un étage en avance sur le premier Schindler. Ouais, bah oui, ça arrive très souvent. Tu vois, t'as ces boutons, ça. Ça, c'est du KSS 570. Voilà, je vais faire redescendre, puisque lui. Ah, c'est bon, je lui refais de redescendre là où il était tout à l'heure, parce que. Là, tu vois, t'as l'armement comme il est. Ok. Allez, viens, on y va. That's it! Oh, c'est des Gentoo carrément? Non, pas des Gentoo. Ah, celle-là. Non, c'est des modes. C'est du. Alors, il y a combien de niveaux? Ah, bah, tiens, 2, 3, 4, 5. Gentoo mode. Tu vois, j'aurais la clé, j'aurais fait de la clé prioritaire. Gentoo mode. 2012. 2012, Gentoo mode. Alors, déjà, c'est rare que les Gentoo mode t'affichent l'année de mode. Putain, ils doivent sentir bien. Hein. Nous informons le client que. Ah non, ouais, non, on s'en fout, ok. Donc là, t'as des Gentoo mode, c'est quand même très bien. Alors, ça devait être des. En plus, c'est un 10 personnes. Ouais, 750 kg, oui. Il ralentit bien. Là, c'est la signalisation résistante. Ah ouais. Ouais, on va le faire monter et on en prend un autre. Attends. Attends deux secondes, le temps qu'il monte. Attends. Le temps qu'il arrive. Là. Oh putain, il est mort. Laquelle arrive Ah, c'est celui-là. Non, il vient de descendre. Faut pas qu'on se fasse choper, mais quand même pas. Oh, ça va, hein. Normalement ça va, ça ira. Voilà, on est trop bien. Ah bah, il y a quelqu'un en plus qui a. J'espère que c'est pas un agent de sécurité. Non, je pense pas. Ah oui, oh le bol. Ah, par contre, il y a un bug. Non, mais ça, c'est des fois quand ils sont coincés ou vous appuyez sur le bouton de rame, ça reste. Ça ouais, je peux dire qu'on a du bol, hein, parce que là. Non, mais tu sais que le mec, il avait l'air. Pressé un peu. Genre, c'est le mec. Merde, moins un. Ah, bah écoute, ce qu'on a appelé. Non, carrément. Ah, bah. Bonjour. Ça monte ou ça fait ça? Ça monte, ça monte. Là, t'as deux boutons aussi. Ok, donc ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va aller en voir d'autres. C'est parti. Tu pérennises le truc. Bon, il arrive. Ça, pas, ça, il veut pas qu'on croit. C'est bon, il est là. Oh putain. Ah, rez-de-chaussée, moins 3, moins 4. Et toi? Oh, merci. Oh, de la musique. Bah, si on l'avait fait, bah, il aurait vu que maintenant il faut qu'il lâche 15 écrous. C'est con, hein. Pour faire une économie de 4000 balles, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit au gars. Je crois qu'ils sont originaux, les ascenseurs ici. Il n'y a que les boîtes à boutons qui ont été changées. Le reste, ça doit être original. Ah ouais? Je crois que c'est un 2 vitesses. Peut-être une manœuvre à relais. Oula. On va vous laisser réfléchir à tout ça, les gars. Ah. Merci quand même. Bah, bonne nuit. Merci. Au revoir. Ils ont remplacé le bouton du rez-de-chaussée, il devait être déjà usé. Ah, ok. Ah, ça va, on est des bons. La musique. Ouais, ici. C'était. Ouais, manœuvre TMS. Travail à tension variable. C'est original, ça n'a pas été changé. C'est tout en bas. Et là, tu vois ça, l'afficheur il est en kit autonome et ça s'est branché sur la manœuvre d'origine. Donc c'est bien. Ils ont changé le tout en fait. C'est génial. Là, ça devait être des boutons M-Series avant. Rez-de-chaussée. Tu vois, ouais, c'est un kit autonome, ça va passer des éléments avec qui donnent l'information à l'afficheur. Allez, on y go. Ascenseur générique. Oh. Lanterne qui s'allume encore. Par contre, ouais, non. Bonjour. L'ascenseur
Oui, oh bah nous on voit moins d'eux. Donc voilà. Senseur générique, DMG. Bouton Schaeffer, afficheur DMG, qui tourne. Alors le moins d'eux nous emmène. Je vois, c'est un ascenseur connu ça aussi. Putain, ça sent un odeur. Alors le moins d'eux nous emmène au métro. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Voilà, le métro il est là. Là, là t'as du. C'est pas cher, c'est cheap. Ah bah ça va, y'a pas de caméra ici. Donc après on remonte, on continue en surface, après on va. On repart par la gare de Lyon. La remote elle est déjà usée. Hein? Le bip il grésille. Ouais non, t'as ça va. Colle ton oreille et appuie. Tu devrais coller ton oreille et écouter la façon dont... Non, ça va, c'est pas grave. C'est vraiment usé. C'est pas grave. La remote, l'importance... la carte bip, c'est peut-être une remote ou une carte bip toute simple, c'est usé. Il en manque, l'important, c'est qu'elle marche, c'est déjà l'essentiel. Ouais. Ah, génial. Donc là, voilà. Donc, ça va. Oups, pardon. Je vous ai même pas vu. Là, t'as le bouton Schaeffer, normalement. Regarde, l'ascenseur va. Ouais, c'était un ascenseur conné avant. Et il a été modernisé avec cette merde. Par France Lift. Ouais, bah franchement, France Lift, ils auraient dû rester chez eux. Franchement. Si c'est pour moderniser un ascenseur conné. Tu peux rigoler dans les nouvelles stations, et bah c'est géré par France Lift. Oh putain. Non, mais c'est pas la même. Même ascenseur France Lift. Ah bah Thyssen en plus. Ouais, il a deux niveaux. Accès rue de Bercy. Tac. Ah bah tiens. Ouais, c'est un Thyssen, il a des boutons, je connais pas. Par contre, il n'y a pas l'année, c'est dommage. Non, mais là-dessus, bah. Donc, sur les Thyssen comme ça, t'as pas l'année. Et après, c'est des années 90 ou années 80. Je crois que ça doit être 2002-2003. Entre 90 et 2000. Celui-là, c'est un ascenseur hydraulique. Ouais, ça doit être des années 2000, donc je pense que c'est 2000. T'as le vérin ici. Je crois que c'est 2002. C'est un vérin télescopique. Elle est très lente. Wow, putain. Vas-y. On remonte. Ouais, c'est... Tu vois, t'as deux vérins, c'est pour ça, c'est à lenteur. C'est juste que c'est à lenteur, tu as deux vérins. On va filmer celui-là de vérin, ça sera mieux. Son démarrage. C'est parti. Ah non, il démarre doucement. Non, souvent les hydrauliques sont réglés à démarrer comme des brutes, tu vois. Ouais, bah c'est. Intéressant. Intéressant le carillon. Ça, il n'y en a pas sur des Thyssen normaux. Ben si, il y en a, mais. C'est très rare. C'est très rare. La fermeture. Là, t'en as. Ouais. En tout cas, elle est pas mal. That's it. Ah, c'est bon, elle marche. Ah ouais? Thyssen, je sais pas. Ouais, Thyssen. Non, je pense pas. Non. C'est bon, fou. Non, c'est pas le Thyssen, à moins qu'il ait été intéressé à installer par Thyssen. Oui, c'est Thyssen qui l'a installé, mais c'est pas un ascenseur de marque Thyssen. C'est bon? Ah, ok. Voilà. Tu vois, c'est le tout Thyssen, c'est les mêmes carrières, mais je sais pas ce que c'est comme. Bon, déjà, c'est pas un hydraulique, c'est un ascenseur à câble. Mais c'est peut-être le variateur ou peut-être c'est une tension variable comme le type d'ascenseur. Ah ouais. Ah génial. Pardon. Vas-y, ça. Allez, on y go, on y retourne. Ah, indicateur qui déconne le triangle, hein. Comme on le voit par ici. Ouais, le ficheur est un peu plus usé. Mais ça c'est pas un afficheur, ça c'est la manœuvre qui déconne. Ah bah ouais, il est usé.
C'est la manœuvre, la carte qui gère les afficheurs sur la manœuvre qui est... Ouais, et bah là, elle est usée, vraiment. Ah bah, finalement, je crois qu'il s'agit d'un... On va regarder. Bon, ça c'est fait. Fixé, oh, les niqués! Il n'y a pas la vis de fixation, c'est pour ça qu'elle s'enlève. Là, c'est de la. Putain, mais c'est un jet-là, on peut l'arracher quoi. Merde, c'est. Merde. C'est des parois, putain. Allô? Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Non, mais genre là, c'est ultra mauvais. Parce que là, du coup, faut appeler la société de maintenance pour qu'ils remettent une vis et qu'ils fixent cette boîte à boutons. Oh putain! Ouais, WTF! Attends, on va voir si il fait la descente. Ah, mais sûrement le bouton haut, il a dû se débrancher. Ah, ouais, peut-être. Sûrement la remote qui était sûre qu'il n'y a aucun signal. Et que voilà quoi. Alors là, on vient d'assister à un fail. Là, c'est le premier fail. Non, mais c'est que la boîte à boutons, elle n'est pas fixée en fait. Là, ah, elle n'est pas fixée. Là, faut faire appel à la société de maintenance. Elle n'est même pas fixée la boîte à boutons, c'est pas bon du tout. Pardon, allez-y. Alors, du coup, on va faire ça. On va commencer par ça au début. Mais d'abord, il va descendre. Ah, pardon. Il va descendre d'abord. Ah, descendre. C'est Gentoo de 2007, tu vois. Il a encore la vieille remarque à côté de son afficheur de CD. Là, tu vois, c'est des afficheurs, mais hein, la gamme au-dessus. Ouverture des portes. Oh, bah, je sais pas pourquoi, enfin, non, on est descendu. On a descendu carrément sur la boîte à boutons. Vas-y. Fermeture des portes. Ouverture des portes. WTF. Bon, c'est une porte. Vas-y, quoi. Sens, montée. Ouverture des portes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a sur cette porte. Il doit y avoir un obstacle. Oh là là. Il va passer en fermeture forcée. Il va se mettre à buzzer et faire une fermeture forcée. Voilà. Allez, fermeture forcée. Ça va être bien ça sur la vidéo. Ça c'est fait. Bon ben, il va falloir que la gare pense à appeler la société de maintenance alors. Hein. C'est ça. Les boîtes à boutons qui tiennent pas et tout. Wesh. Je vais juste te montrer. Là normalement t'es censé avoir un rayon off ça dit. Ouais. Bon, on va pas le réutiliser parce que sinon on peut avoir des bugs. Il est plus récent. Là, t'as ce bouton, il est HS aussi fixé. Ouais, HS. Schindler, ils font pas du bon boulot sur ça, c'est ça. Comparé aux autres. Tu vois, là, t'as l'afficheur. J'en ai un comme ça, sur moi. J'en ai plus comme ça. Ouais. Allez-y. Bon, allez, tout. On va aller au rez-de-chaussée, on va aller voir. Bah non, on va au RB. RB, c'est rez-de-chaussée bas, en fait. Ouais, bah voilà. Parce qu'on est déjà au rez-de-chaussée. Manœuvre MCS 220, 2007. Rez-de-chaussée bas. Ouais, ouverture. Voilà, la boîte à boutons, elle est... Putain, je déteste l'annonce en plus. Voilà, c'est celle-là qui est mal fixée. Elle est complètement... Elle est foutue. Y'a pas moyen de mettre un truc dedans pour monter. Je sais pas. Faudrait trouver un truc là, à mettre dans le trou pour la caler. Non mais c'est juste à côté, c'est juste à côté. Ouais, mais tu marches, tu perds du temps. Non, là, t'as des voyants DMG là. Ouais, je te connais. Pompier gare. Rez-de-chaussée. Je déteste le. Comment ça KBJL. BJL 3. Ok, bah de toute façon, on l'a entendu dans ma vidéo, non, c'est bon. C'est parti. Allez, go. Bye bye. C'est entre 96 et 2004. Alors, c'est parti. Ah. À toi l'honneur. Alors le bouton clé dessus, je ne sais pas à quoi il sert. Ah non. C'est WTR. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, peut-être pas grand chose. Une fois, ça m'a mis... 2011, donc c'est une seconde génération. Non, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Je ne blâme plus, ça ne sert à rien. Le bouton de clé, il ne sert à rien, franchement. Ouais, le 0 va faire des chimes un peu. Bon, allez, retour au. Attends, bah, non, c'est bon, y'a rien. Allez. Non, attends.
Non, là, c'est accueil parking. Nous, c'est le 2. Nous, le 2, il nous emmène à la gare. Duplex montée-descente, c'est-à-dire, en gros, t'as un bouton pour monter, un bouton pour descendre. Parce que là, t'as les flèches sur les pastilles. Donc, c'est... Putain. Là, regarde. Oups! Viens voir, regarde. T'as deux boutons ici. Ouais, je sais. Ici, il y a un chasse. Une et un deux. Voilà. Ouais, donc c'est bon pour le 2. Il y a pas trop d'options, à part le bouton créer qui sert pas à grand chose. Ça va rien. Voilà. Je sais pas si je le tiens. Non, c'est bon, il y a rien. Peut-être c'est une. Non, en vrai, ça peut être une fonction cachée, genre appel privé. Bon, stop. Je crois que c'est... ça va faire un truc. Bon, le corps a bien. Attends. Ah non, ça sert à rien. Allez! La fermeture. Sans faire exprès. Ah bah regarde comment ça fait. Elle est complètement foutue par contre, tu vois. Bah en même temps c'est 2005 hein. Non mais c'est pas ça, c'est la mauvaise utilisation. Sans doute. Donc là on va faire un space. La petite musique à côté, j'espère que je vais pas me faire choper pour des copyrights. J'ai la flemme d'éditer la vidéo. Ah bah de toute façon le son est trop petit et en plus c'est un peu usé donc c'est bon. Non mais tu sais que les détecteurs tels. Non mais ouais. Ça détecte les copyrights. Ouais content idée ça s'appelle chez YouTube. Le content chiant. Idée, eux ils sont très malins, c'est vrai. Ça, tu vois, t'as la lanterne qui s'est allumée, regarde. Ouais, je sais. J'aimerais bien d'avoir une chaleur comme ça. Ah, là, t'as ce bouton pour maintenir les portes ouvertes, mais il n'a pas l'air de marcher. Là, t'as ce bouton. Ça, c'est pas un vrai bouton. Là, t'as un bouton d'un DMG, je sais pas qui c'est qui l'entretient, bah connaît. Non, je pense pas que c'est connaît celui d'en bas. Si, c'est marqué là. C'est marqué là, l'étiquette. Franchement, c'est parfait. Hein. C'est un vieux, il a son annonce sonore et tout. L'annonce sonore, elle a été ajoutée parce qu'en 2005, t'avais pas ça. Ouais. Donc, elle a dû être ajoutée vers 2014. Ah bah, en plus, elle était accessible finalement. Non, pas forcément, on a un bouton. Ah bah non, ouais. Ah bah, finalement, on a eu de la chance. Allez, go. Ça dépend desquels. Là, tu vois, ça ressemble à du Panzer, mais sauf que là c'est creux. Là. C'est quoi, chromé? C'est creux. Genre là, les boutons Panzer, ils sont pas creux comme ça en fait. Ah, ok. Ça ressemble à du Panzer, mais c'est pas du Panzer. Il y en a qui sont. Ah, ok. Là, tu vois, l'hôpital Dex, t'as affiché à peu près comme ça. Voilà. Et c'est ce qu'on a eu dans à Gare de Lyon aussi. Là, c'est des boutons, mais. On a eu ça à Gare de Lyon tout à l'heure. Ça vient en dessous, je crois. Direct. Alors je vais te dire ça tout de suite. Non, c'est vérin défectueux. C'est Thyssen qui en a l'entretien. Ah, sans doute. Et voilà, c'est du DMG. C'est peut-être Thyssen qui a dû installer ça, je pense. Ouais, c'est Thyssen. Ça doit être de 2003, je crois. Même pas 2001. Ouais, non, mais les boutons, ils ont été changés. Depuis. Ouais, mais ça... Non, mais originalement, je crois que c'est 2001 plutôt même, parce que je suis passé ici en 2001, quand j'étais tout petit, il était déjà. Ah ouais? Mmh. Ouais, mais ça devait être des boutons de tête de jeu ou des boutons comme là-bas. Là. C'est ce qu'il nous fait là. Ouais, parce que des fois, il reste allumé. Là, le bouton, t'as vu, il tient pas trop. Oui, il tient pas trop. Ah, c'est bon, il arrive. Tu vois le clignotement, on voit que c'est du Thyssen. Parce que la vitesse de fond. Là, t'as le limiteur de vitesse, la tablette. Ah ouais, mais tu m'étonnes qu'il soit pris comme ça, il fait au moins 3 niveaux. Pardon. C'est. Il en faudrait au moins un deuxième, alors en plus, un ascenseur hydraulique, c'est pas assez pour. Alors que là-bas, t'en as 3. Ouais, mais même ils te mettent un ascenseur hydraulique, c'est lent, c'est périmé. Faudrait qu'il le refasse. Ah tiens, t'as l'identification de l'appareil carrément. Il écrit A16 numéro 5 2103, niveau d'Alroutien. Ouais. En fait, c'est pas pour critiquer les hydrauliques, mais c'est que genre maintenant c'est dépassé quoi, comme ascenseur. Ah putain, il descend encore. Non, il monte.
non, contre ah, oui, bien vu. C'est hydraulique, il n'y a pas de contrepoids. L'opérateur hydrape pousse. Tu vois, t'as vu combien il s'arrête déjà? On voit que c'est dépassé à l'hydraulique. Dépassé? Ah ouais, c'est dépassé l'hydraulique. Maintenant, ils installent des ascenseurs électriques. Hein. Ah ouais. Il mange pas bien. Je sais pas. Parce qu'on a appuyé sur le zéro, il a pas mangé. Peut-être qu'il y a quand même d'appeler avant. C'est pas triste. Quand tu disais, t'avais des boutons, mais c'était pas trop qu'on va dans le. Ouais, ouais, j'ai remarqué, ouais. On a personne. Ouh, j'ai mon pied. Dur. Tu vois, quand je te dis qu'un ascenseur hydraulique, c'est dépassé. Déjà, le démarrage, c'est. Ah, c'est bon, moins un, ça y va. Ok, parfait. Bah, par contre, on va aller voir les autres parce que celui-là il est pas. Ouais, il y en a zéro qui était pour. Ouais, ça va pas. Attends, il y en a là, juste ici. Zéro, non, en fait, ça va être zéro. Ouais, je sais. Non. Non, c'est pas des places. Pardon. Pardon, excusez-moi. Vas-y. Merci. Ça, c'est à peu près le bouton 27 et c'est le bouton 2. Là, tu vois, au départ, tu avais la plaque à bouton, elle était ici, mais vu que ça ne correspond pas aux normes pour les PML, ils ont changé. Ils ont mis ici. Ah, d'accord. Ouais, il va monter. Ouais, il monte. C'est des boutons. Ils ont mis flash. Oh ça, putain! Non, mais t'inquiète, c'est rien. C'est en fait, quand t'as vu, quand tu montes, l'ascenseur il s'abaisse. Et du coup, là, il se remet juste à niveau. Ah oh, putain, mais des fois, c'est déjà. Non, mais tu sais, ça le fait sur tous les hydrauliques, ça, c'est normal. Ouais, mais des fois. Bah, des fois, c'est vrai que c'est excessif. Hein. Plus, ouais, mais des fois, surtout que ça fait peur. C'est que ça, c'est rebondissant, l'hydraulique. C'est ouais, pas c'est bien. Ouais, ça, des fois, ça te pète les jambes. En plus. Ah ouais. Ouais, on va descendre. Vas-y, madame. Le moins 3 nous emmène au RER carrément. Tout droit. En plus, il a les boutons dorés. En fait, les boutons dorés, c'est des boutons d'alarme. Du coup, ils ont mis un bouton d'alarme, enfin une pastille. Parce qu'en fait, tu as deux parties sur le bouton. Tu as la partie contact, circuit LED, et tu as la partie de la touche. En fait, la touche, c'est juste esthétique, et ensuite, tu as le circuit LED. Parce que j'ai des types de boutons comme ça à la maison. Ah, mais ça va alors. Ouais, pas beaucoup, mais genre, ouais, c'est le fabricant italien DMG qui en a. On a 1079 en plus qui s'en va. Ah, il va à Robinson en plus. En fait, c'est un bouton d'alarme pour tout seul. Vas-y, on y va. Il y a un ascenseur là-bas. Il y a un ascenseur. Ouais. Ah, oh, bah tiens, l'afficheur a été remis en service. Ouais. Toujours bouton qui saigne. Ouais, il y a des archives. Afficheur Amphitech, quelle horreur. Non, mais c'est de la merde, hein, ces afficheurs. Genre c'est des afficheurs en kit autonome encore une fois. C'est bien, et si tu l'as chez toi, c'est la programmée. Bon, il n'y a que deux niveaux, c'est normal. Hein. Et c'est plus pratique. Comme ça on sait qu'on n'a pas de problème. Bon ça va, on est tout seul. Tu vois la sonnerie elle est dégueulasse déjà. Ça a été fait en 2016. Ouais, ils ont pas mis un afficheur DFG. Non, non, c'est du pur Amphitech là-dessus. Même l'afficheur cabine, regarde. C'est, voilà. C'est comme les centres commerciaux en fait. Ouais, c'est du bas de gamme quoi. Tindler en plus. Numéro appareil 124, 4 bon, ça doit être vers les 2000-2001. Mais après, ça a ouais, été. Ouais, les boutons ils ont été changés depuis. Changés en 2016-2017. Allez, on va s'en faire d'autres maintenant. Il y en a un autre à droite, derrière, devant. Je crois qu'il y en a un là-bas. Non. Non. Juste à droite là-bas. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais. Non, là, non, on est au 1 déjà. Et là, on y va au 0. On est au 1 là ? Ouais. Bon, bah, fait le niveau voyageur, mais pas affiché. Oh putain, ça c'est un hydraulique chelou. Bah, déjà il démarre très lentement, mais. Oh, putain, il y a un balançoire. Ouais, il est pas en bon état.
Ouais, bah après on remonte. Hein. On va filmer le toit. Ça monte. Ça monte. Bah y'a que ça hein. On va filmer le toit là, comme ça on va avoir le terrain. Ah bien. Ça c'est la particularité des ascenseurs vitrés dans le gare, c'est qu'on peut voir tout le fonctionnement. Sauf qu'ils sont à... Attention, démarrage. Ah non, 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 il démarre doucement. Voilà. On voit le terrain et tout. Le terrain hydraulique, bon bref, les ascenseurs hydrauliques s'est dépassé comme d'hab. Très dépassé. C'est plus aussi performant qu'un ascenseur à câble. Voilà, donc ça c'est fait. On va prendre les autres. On va attendre que celui-ci il part. Ah, bah tiens, il est là. Ça, tu vois, il est programmé en vertical, c'est un Future 140. C'est bon. Waouh, ça risque au moins 7 carrément. Ouais. Ah bah c'est bon, on peut y aller. C'est verrouillé, c'est parfait. Je crois que c'est 2010. Moins 7, j'en ai... 2010. Ouais, moins 7... Waouh, comment on va vite. Ouais, c'est... Ouais. Et il perd 10 mètres par seconde, c'est très très 10 mètres par seconde. Niveau moins 7, il y en a au centre commercial Prado. Mais ça doit être des ascenseurs plus vieux, modernisés ou... Je sais pas. Prendre un autre. Ouais. On va laisser un autre passer. Attends, moins 3, t'as un rez-de-chaussée. Attends. C'est bon. C'est là. L'autre il est bloqué à gauche, là, l'autre à gauche. Il reste bloqué au rez-de-chaussée, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un, un personne là-bas. Ok. Ouais, c'est celui-là qui va arriver. Non, pas du tout, il s'arrête. Si c'est ça, je crois que ça va être celui-là. Oh putain, on va le reprendre. Sa mère. Ah, pas mal. Est-ce qu'il y a des quelqu'un? Bah non. On retourne au rez-de-chaussée. Ah bah tiens, moins 4, moins 5, ça bouge pas. Attends. C'est bon. Et c'est pas grave. Ah, gauche. Non. Ah, t'es... ah bah, milieu. Ah, au parleur assez agressif, celui-là, c'est usé. Usé? Oui, il est usé, celui-là, tout le monde est agressif. D'habitude, ça s'allume en vert, là sur le FPS 1630. Oh, mais des fois, bon, en 2010, hein, comme là. Ils sont rapides, hein, franchement. Eh, mais quand ils descendaient, putain, ça m'a fait flipper, hein, ouais. Au départ. Non, mais c'est qu'ils sont rapides, quoi, tu vois. Ça m'a fait. Bon, il est 17h, on va essayer de trouver quelques derniers avant que je rentre. Ouais. Ah, franchement, c'est une belle journée, hein. Je prends des photos. Allez. Vas-y. Quoi? Tu vas prendre d'autres? Là, il n'y a pas d'agent, attends, c'est bon. Ça, c'est 21 personnes. Ah bah celui-là, il a 3 niveaux, alors que l'autre il en avait que 2. C'était posé côté sur le sous-marin. Il faut vraiment les fouler quoi. Ils sont pas mal. La taille de l'écho juste, il faut venir à la tige. Ah c'est bon, il va au premier. En fait non, c'est le collectif, tu sais. Alors... Ah bah, un point. Alors, 21 personnes. Trop tard. Ah, trop tard. Désolé pour lui. On va se voir, on va descendre. Ah, regarde, on va aller côté ici, là, c'est... Ah, regarde ça. Ouais, t'as vu comment c'est gros? Donc c'est un éco-disque. Ouais, ça c'est un éco-disque aussi. 2014 en plus. Bah, en gros, ça c'est les premiers ascenseurs sur ma chaîne VIP qui ont été inventés en 96. Celui-là est de 2014. C'est la quatrième génération. Là, ça c'est le sous-sol.
Voilà, retourne au rez-de-chaussée. L'autre, c'est même pas la peine de le faire vu qu'il y a déjà des agents. Non, mais t'inquiète, je vais essayer. Sinon, on le prend au premier étage. Mais ils sont vraiment beaux ceux-là. Alors, 2015, c'est un 5500. 5500, j'avais raison. Ouais, bah après ça dépend de l'année, hein, on peut pas savoir. Donc 2015. Ouais, il est quand même beau celui-là. Hein. Tu vois, je t'avais dit on pouvait s'en faire quelques heures avant de pouvoir partir. Ouais. Ton FMX V, t'as des afficheurs en noir. Donc c'est FIMX H, et sinon c'est des boutons rectangle, c'est du FIMXB. Dernière vérification, 12 juin dernier. Donc là c'est des boutons MX vendables, et voilà. Parfait.